Oléon développe et fabrique des produits chimiques intermédiaires, biosourcés à partir d'huile végétale, par exemple. Ces molécules sont utilisées par nos clients pour différentes applications, que ce soit de la cosmétique, des lubrifiants, c'est très varié, voire même l'alimentaire. Nous avons des clients locaux, des clients régionaux, mais surtout des clients internationaux, des grands comptes, des grands clients. Ils attendent de leurs fournisseurs une présence mondiale. Ils veulent pouvoir être servis avec le même produit, la même qualité, où que ce soit dans le monde. Ils veulent aussi des chaînes logistiques courtes, mais ils veulent aussi qu'on comprenne les spécificités de leurs marchés locaux. Donc tout nous incite à avoir une présence globale pour pouvoir mieux servir ses clients et puis avoir accès aussi à des marchés en forte croissance. Qui dit client international dit concurrence internationale. Donc on ne se mesure pas à notre voisin, on se mesure au meilleur au monde, que ce soit d'un point de vue de la qualité du produit, du niveau de service, du niveau d'innovation. On se mesure au meilleur dans le monde et ça nous tire vers le haut. Pour prospérer, il faut être au top. Les liens entre Avril et le Sieur Cristal sont des liens anciens et profonds et qui s'articulent autour de cycles de 40 ans. Il y a 80 ans, le Sieur Cristal a été créé par la famille Le Sieur. En 1972, nationalisation industrielle au Maroc, Le Sieur Cristal devient une société marocaine. Mais 40 ans après cette nationalisation, en 2012, au cours d'une opération de rachat des actions de la SNI dans le capital de Le Sieur Cristal, Avril est devenu l'actionnaire majoritaire. Le Sieur Cristal a le challenge de développer la présence d'Avril en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes organisés avec une présence industrielle au Maroc, en Tunisie, au Sénégal. Dans 10 ans, j'espère que nous aurons ouvert un ou deux autres pays en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest et que nous aurons commencé à regarder des opportunités en Afrique de l'Est. Pourquoi l'Afrique? C'est une région qui affiche des croissances à 7% sur une catégorie phare. Dans ce contexte-là, nous avons lancé un projet stratégique de développement de la région basé sur plusieurs piliers. Le premier étant la priorisation par pays, suivant notre ancrage de filiales ou le développement comme certains pays de la CDAO. Nous avons développé un portefeuille adapté aux consommateurs, mis en place une RTM efficiente et donné les moyens pour la création de la demande. Alors mon vœu pour Avril, pour ces 40 prochaines années, c'est très simple, c'est de faire aussi bien que les 40 dernières années. Donc de se développer, d'être fidèle à notre raison d'être, servir la terre et de se développer en ligne avec nos valeurs de respect, de performance et d'audace, audace d'aller à l'international plus fortement.